Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo, mais ouais, ça fait presque 2 semaines que je n'étais plus là. Parce que j'ai pris une semaine où vraiment je me suis reposée toute la semaine et j'ai pas fait de vidéo quoi. J'étais vraiment en vacances, on était avec Rémi et du coup je n'ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui la vidéo que je vous présente, je sais que vous l'attendez énormément. C'est la vidéo qui m'a été le plus demandée depuis le début de ma chaîne YouTube. Vraiment c'est le room tour. C'est vraiment une pièce spéciale pour mes habits, mes maquillages, mes accessoires, voilà, et elle est exactement comme j'avais envie qu'elle soit. Il a fallu trouver les petites idées, il a fallu trouver tout ça, et je m'y retrouve vraiment, et ça c'est un truc important, c'est que vraiment je m'y retrouve. Avant, mes maquillages, mes habits, c'était rangé un petit peu n'importe comment, alors que là c'est bien rangé, il y a les rangements, enfin c'est vraiment bien, et puis voilà, et c'est vrai que j'ai énormément d'habits, c'est tout ce que j'ai accumulé depuis pourtant j'en donne, hein, j'en élimine souvent, mais c'est vraiment tout ce que j'ai accumulé depuis que j'ai commencé à travailler en fait tout simplement à côté des cours, et c'est vrai que je me suis souvent fait plaisir, vous le savez, hein, vous avez vu tous mes hauls. Donc je vous laisse regarder ça, je vous fais un petit tour comme ça de visu et puis après je vous explique tout, comme ça vous comprendrez tout. Alors on va donc commencer par la porte, l'entrée qui est ici, voilà comme vous voyez. Donc ici j'ai placé deux porte-colliers. En fait à la base ce sont des porte-colliers que j'avais trouvé sur Azos à vraiment pas cher, à 5 € et quelques. Et c'est vrai moi j'en ai utilisé un pour accrocher mes petites ceintures, les petites ceintures qui arrivent à s'accrocher ici, c'est-à-dire vraiment les petites ceintures, les plutôt fines. Il y en a aussi des épaisses, hein, après comme vous pouvez voir. Là on en a une épaisse, il y en a quand même des épaisses, mais c'est parce qu'elles ont des boucles en fait, donc du coup j'ai pu les accrocher, mais sinon c'est vrai que ce sont essentiellement des ceintures assez fines que je mets assez quotidiennement. Ensuite à côté j'ai mis un autre porte-collier, donc comme vous voyez j'avais choisi Peace and Love, c'était les deux, il y avait soit Peace soit Love, j'avais pris les deux.
C'est un petit peu mon état d'esprit, donc c'est cool. Donc là, j'ai mis des colliers, tout simplement. J'ai énormément de colliers, et donc là, voilà, là, j'ai vraiment mis des colliers. Les colliers plutôt, plutôt longs, comme vous voyez, ils sont assez longs, ceux-ci. Voilà. Donc juste à côté du mur, ici, où on a les colliers, etc., vous avez la grande armoire, donc qui était déjà là à la base, vu que c'était une chambre, mais c'est vraiment une armoire très 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 grande. Vraiment, il y a énormément de rangements, donc déjà, rien que ça, c'était déjà quelque chose de superbe. Donc, dans la première partie, tout ça, ce sont des t-shirts. Vous voyez, j'en ai pas mal. Donc, sur l'étagère, là, j'ai mis des pantalons. Voilà. Des pantalons, essentiellement. Pantalons et leggings, hein, pantalons de sport, leggings, un petit peu de tout. Ensuite, là, j'ai mis, en fait, alors voilà, là j'ai des shorts sur la droite, ce sont des shorts. Ensuite, au milieu, ce sont des jupes. Et à gauche, ce sont des jupes également. Alors, ce sont des jupes que j'aimerais pendre par la suite. J'ai encore de la place pour pendre, mais bon, disons que je suis un petit peu en panne de cintre en ce moment. Donc dans la deuxième partie de l'armoire, pareil, en haut il n'y a toujours rien en fait. Ensuite ici on a une nouvelle étagère, une nouvelle box entre guillemets, où j'ai mis des pulls au vert, donc encore pareil, classés par couleur, les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges, etc. Donc des pulls. Ensuite dans le box d'en bas j'ai mis des sacs à main que j'ai empilés. Dans le box plus bas c'est la même chose. Dans le dernier box j'ai des foulards, des pyjamas, là vous avez un bonnet, là ce sont des foulards, là ce sont des gants en cuir, ou enfin mes gants tout simplement, donc voilà, et là j'ai quelques chaussettes. Donc dans les tiroirs, dans celui-ci, j'ai mis tout ce qui était bandeau, body, ici c'est de la lingerie, mais plutôt les bas de lingerie, et ici on a plutôt les hauts, donc les soutiens-gorge, etc. On passe à la troisième partie de l'armoire, donc avec des pulls, encore une fois, en haut toujours rien, enfin une valise, mais je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des outils ou quelque chose comme ça. Là on a encore des pulls, mais des pulls plutôt couleur nude, couleur beige, couleur rose pâle. Et là j'ai toutes mes robes, donc voilà, toutes les robes qui sont pendues, et en fait je les ai classées par couleur également. Donc cette dernière partie d'armoire est terminée, et ensuite vous voyez que j'ai mis ici une étagère. Donc sur la première partie j'ai mis mes vernis à ongles, comme vous le voyez ici. Donc en fait je les ai classés par marque. Donc en fait ici les premiers là, je les ai classés par couleur également, donc les bleus, les roses, etc. Donc les premiers, c'est la marque, c'est une marque qui n'est pas trop connue je crois. Mulenza, c'est les vernis que j'avais acheté vraiment pas cher à la frontière espagnole, mais ils sont plutôt pas mal, donc c'est pour ça que j'en ai pas mal, à chaque fois que j'y allais j'en achetais. Ensuite j'ai les vernis, mes vernis Trendy Colors que j'avais acheté chez Saga. Ensuite mes vernis H&M, les nail polish, là les carrés comme ceci, ce sont des H&M. Ensuite les Kiko qui prennent quand même 4 places comme ça. Et là-bas aussi. Ensuite, j'ai mes vernis Pop Color, Pop Beauty. J'en ai 3. Ensuite, là, j'ai un vernis que t'es sans marque, que j'avais acheté dans une petite boutique. Et derrière, j'ai mes vernis NYX, les vernis mats de chez NYX. Donc, j'en ai 3. Ensuite, là, j'ai 2 vernis pareil Mulenza, mais avec un packaging différent des autres. Et derrière, j'ai mis mes vernis Forever 21. Ensuite ici j'ai 2 petits vernis Sephora, là j'ai un vernis Etude House, un vernis que j'avais acheté sur eBay, et un vernis PB Cosmétiques. Et ensuite pour terminer j'ai 3 rangées de vernis, donc là ce sont des China Glaze, et j'en ai 2 qui sont des OPI. Mais sinon ce sont des China Glaze, j'aime beaucoup cette marque. Pour moi c'est vraiment équivalent à OPI, donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Voilà, ensuite sur l'étagère du bas, j'ai mis une petite boîte où j'ai mis des boucles d'oreilles. Donc là vous avez des boucles d'oreilles, donc c'est vrai que bon, souvent les boucles d'oreilles, je sais pas pourquoi, je les mets dans des sachets à chaque fois. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie qu'elles se touchent, mais c'est complètement stupide. Mais donc du coup voilà, j'ai toutes mes boucles d'oreilles dans des sachets différents à chaque fois, là voilà, comme vous voyez,
Voilà, bref. À côté, j'ai une boîte et à l'intérieur, j'ai tous mes accessoires de coiffure, donc les headbands fleuris, là, comme vous voyez. Voilà, vraiment des accessoires, des pinces, des accessoires pour me coiffer, des nœuds, voilà, ce que j'aime bien. J'aime bien mettre des accessoires dans les cheveux, c'est cool de temps en temps pour certaines coiffures. Donc voilà. Dans la dernière étagère, j'ai mis une boîte, donc bon là c'est une boîte à chaussures, hein, pas très esthétique pour le coup, mais voilà, où j'ai mis des bracelets, mais des bracelets, vous savez, des bracelets vraiment manchettes comme ça, qui sont très durs et voilà, qui ne peuvent pas s'en mêler, des gros bracelets en fait. Et à côté, j'ai mis un rangement à couvert que j'avais acheté chez Malin Plaisir, non, chez Centracor, pardon, ça a changé de nom. Et en fait j'ai rangé quelques maquillages qui rentraient pas forcément dans la coiffeuse. Donc du coup là vous avez, là j'ai des pigments, donc des paillettes, pardon, des paillettes. Donc mes paillettes de chez NYX et mes paillettes de chez MAC. Là j'ai mis mes blushs de chez NYX. Donc voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai 6 blushs de chez NYX, donc ils sont là. Là j'ai mis des petits rouges à lèvres, donc là vous avez des rouges à lèvres de chez NYX, vous avez des rouges à lèvres Dior, vous avez des rouges à lèvres Kiko, un peu de tout. Là j'ai mis mes Color Shop de chez Kiko, donc j'en ai quand même 4, donc du coup voilà, j'aime beaucoup les Color Shop de chez Kiko, je pense que vous le savez. Ensuite ici c'est encore des rouges à lèvres, là ce sont des crayons, donc des crayons de chez ELF, Kiko, NYX, un peu de toutes les marques, crayons noirs ou crayons en couleur. Et là-bas j'ai les pigments, donc mes pigments de chez MAC, mes pigments de chez NYX, mes pigments de chez Kiko, donc voilà. Je m'y retrouve aussi pas mal parce que je sais que tout ça c'est rangé ici, donc c'est cool. Donc la coiffeuse, c'est une coiffeuse de chez Ikea. Donc je ne sais plus du tout son nom, mais je sais juste qu'elle vient de chez Ikea. Et le miroir également vient de chez Ikea, mais écoutez, pas très cher. Je crois que c'est un miroir qui coûtait 9€ et quelques. Enfin vraiment il est bien, il est quand même assez grand et il est super. Et les lumières, on ne les a pas encore, on les a pas encore branchées, etc. Mais elles viennent aussi de chez Ikea. Celles-là, ce ne sont pas des LED, c'est vraiment des ampoules. C'est pas des LED, donc du coup, voilà, on les a pas encore mis, mais on va les mettre. Ça va être cool quand on les aura mis, parce que comme ça, je pourrai bien voir pour me maquiller, ce sera génial. Donc là, j'ai deux rangements, alors que j'avais acheté un sur eBay et un sur Amazon. Donc ils sont assez différents, mais bon, c'est toujours le même principe, hein, vous savez, c'est les rangements en plexi, etc. Donc en fait là j'ai mis tout ce qui, j'ai mis quelques blushs Kiko, mes blushs en stick, j'ai mis mon fixateur de maquillage Sephora et mon porno mort de Dr. Brandt et le NYX pore filler pour éliminer les pores, enfin pour cacher les pores, pour les minimiser. Ensuite voilà, j'ai un petit peu des produits pour la peau quoi, pour le teint en gros. Ensuite derrière j'ai mis mes liners à paillettes dans un compartiment, c'est séparé en trois compartiments en fait. À côté des liners à paillettes, donc les liners à paillettes sont ceux de chez Sleek, ELF et NYX. Ensuite à côté j'ai mis mes crayons à lèvres voilà, en couleur hein. Donc j'ai pas mal de couleurs, enfin pas mal, j'en ai raisonnablement on va dire. Ensuite là à côté j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Oui j'ai mis des petites paillettes, vous savez c'est des petits diamants de chez Makeup Forever. J'ai mis mon rouge à lèvres Yves Saint Laurent Rouge Volupté numéro 12. Ensuite sur les rangements rouge à lèvres, donc j'ai mis tous mes rouges à lèvres Sleek parce que j'en ai pas mal. Des rouges à lèvres Sleek, c'est les True Colors, donc ils sont mats, donc je les aime beaucoup. Et puis il me restait une place, donc du coup j'ai mis mon rouge à lèvres Dior, un rouge à lèvres Dior, j'en ai qu'un, donc voilà. Mais sinon ce sont mes rouges à lèvres NYX, mes rouges à lèvres Sleek que j'aime énormément. Ensuite dans le premier petit tiroir j'ai mis mes bases à paupières, donc de chez ELF, de chez Urban Decay. Dans le deuxième tiroir j'ai mis mes liners. Donc j'en ai pas mal, donc j'en ai un peu de toutes les couleurs. J'en ai donc de chez NYX, de chez Sephora, de chez ELF, de chez Kiko. Donc voilà, tous mes liners. Ensuite dans le grand tiroir ici, j'ai mis tous mes correcteurs et mes anti-cernes en fait. Il y a donc du LF, il y a du Sleek, il y a du Sephora, il y a du Kiko. Et puis j'ai mis mes deux cols à fossiles. Et ensuite en bas là j'avais encore de la place, donc j'ai mis mon exfoliant à lèvres, des tailles crayons, des ciseaux, un fixeur de sourcils, voilà des petits bricoles comme ça.
Donc ici j'ai mis mes fonds de teint, mes bébés crèmes, enfin vraiment un produit pour le teint. Tout là. Ensuite, là j'avais 4 emplacements pour rouge à lèvres. J'ai mis mes 3 rouges à lèvres de chez Julicious. Et là j'avais tout un emplacement qui faisait un arrondi. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, voilà. Si je vous enlève ça, vous le voyez bien. Tout un enclos comme ça là qui faisait un arrondi. Et j'ai mis tous mes rouges à lèvres Kiko. Parce que j'en ai un petit peu aussi. Ensuite, derrière, j'avais un petit enclos. Donc j'ai mis des glosses, donc mes glosses de chez Kiko, mes glosses mat de chez PB Cosmetics. Et à côté, un autre petit enclos, j'ai mis mes jumbo. Donc mes jumbo de chez Sephora et de chez Kiko, et c'est tout. Dans le tiroir, donc dans le premier tiroir, j'ai mis tout ce qui était mascara, top coat pour mascara, etc. Enfin vraiment basé sur les cils. Donc ici ce sont des fards individuels, donc de chez Kiko, de chez Sephora, on a même une petite palette H&M. Là j'ai deux fards à paupières gras de chez NYX, vraiment les fards à paupières individuels en fait ici. Et ici j'ai mis tout ce qui était petites palettes, etc. Donc là j'ai des petites palettes de chez Marionneau, j'ai un autre fard individuel, j'ai une palette H&M dessous. Enfin voilà, vraiment des palettes, des petites palettes comme ça. Donc ici, j'ai mis toutes mes palettes. Donc ma palette de chez Nocibé, mes palettes Urban Decay avec les 3 Naked plus la Vice palette. Là, j'ai mes 2 palettes de chez Coastal Scent. Donc la palette 42 Double Star palette plus la 252 fard. Voilà. Et en dessous, j'ai ma palette ELF avec sans fard, que vous connaissez certainement déjà, qui coûte pas cher du tout, 12€. Donc voilà, là j'ai mis à peu près voilà, toutes mes palettes. Ensuite, donc à côté des rangements, j'avais, comme vous voyez, il y a un petit rangement à rouge à lèvres. Donc ici, j'ai mis, donc dans un premier temps, mes rouges à lèvres MAC, j'en ai pas énormément, hein, voilà, vous voyez j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celui qui est dans mon sac. Donc j'en ai 6 de rouges à lèvres MAC. Ensuite là j'ai mis mon rouge à lèvres Lancôme, rouge à lèvres celui-là je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Barry M. Celui-là aussi c'est Barry M. Mes rouges à lèvres Sephora, mes rouges à lèvres Color Statements de chez Milani que j'aime énormément. Mes 2 rouges à lèvres Color Rips de chez L'Oréal et mes 2 rouges à lèvres NYX Matte. Ensuite à côté j'ai 2 kabuki, donc un de chez Coastal Scent, le petit, et le gros vient de chez Primark. Bon il est un petit peu, honnêtement il est pas très doux, mais bon il est vraiment joli, mais bon après voilà. Ensuite là j'ai un petit pot avec plusieurs emplacements, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. C'était un produit que j'ai trouvé dans les produits, dans le bazar salle de bain à Centre-Accor, j'avais trouvé ça. Et du coup je m'étais dit c'est bien pour les pinceaux etc. Et donc du coup voilà, du coup bah, là vous avez tous mes pinceaux, donc là vous avez les pinceaux Real Techniques, mes pinceaux Coastal Scent, c'était un set ouais. Mes pinceaux individuels Coastal Scent, mes pinceaux Real Techniques, mes pinceaux ELF, mes pinceaux Sedona Lace, bah, vraiment tous mes pinceaux, des petits pinceau comme ça là que j'avais acheté sur AliExpress, mais c'est pas mal, c'est cool. Voilà, ensuite j'ai d'autres pinceaux mais qui sont dans mon sac toujours. Ensuite là bah, vous avez quelques là vous avez mon produit de chez GHD pour protéger de la chaleur. Là vous avez des parfums, vous avez un petit spray à eau, des produits voilà, pour se parfumer, pour cheveux, etc. Et là j'ai un arbre à collier où j'ai pu mettre ben, pas mal de colliers, hein, comme vous voyez. On voit même plus l'arbre en fait, mais c'est vrai que j'ai énormément de colliers. Et j'ai beau avoir beaucoup de rangements, je les ai quand même tous remplis parce que j'ai vraiment beaucoup de colliers. On va regarder tout ça. Donc sur le côté là-bas, vous avez tout ce qui est fossiles. Donc fossiles que j'achète ouais, sur eBay, à Primark, que j'achète sur eBay US, Red Cherry, j'aime bien. Ensuite à côté, on a tout ce qui est poudre. Donc poudre pour le visage, pour le teint, avec ma poudre transparente de chez ELF, des poudres de chez Sephora, ma poudre bronzante de chez Kiko. Ensuite à côté, on a des blushs. Donc là... mes blushs, donc mon blush Kiko, mes blushs Kiko, mon blush Sleek, mes blushs Milani que j'aime plus que tout. Là en dessous, bon là c'est un petit produit pour la peau,
qui court. Là, dessous, j'ai des paillettes. Des paillettes que je peux mettre autant sur les yeux que sur les ongles. Je les ai mis là parce que je savais pas trop où les mettre, en fait. Donc, du coup, voilà. Et là, à côté, on a mes blushs MAC. Mon blush Primark. Mes blushs Sephora. Et derrière, un petit blush ELF. En fait, ici, j'ai tout ce qui est blush, tout ce qui est sculpteur, etc. Et de l'autre côté, plus poudre. Et après, encore au côté fossile. Voilà, là, vous avez le miroir. Et comme vous voyez, juste en haut... Tac, j'ai des shorts, donc on va se reculer. Donc, sur le premier, sur la première barre qu'on a placée ici, j'avais envie de mettre quelque chose de court, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des shorts, voilà, mes shorts en jean. J'aime bien les voir pendus parce que, je sais pas, ça me... Déjà, ils sont courts, donc ça allait parfaitement pour la coiffeuse. Et du coup, de les voir là, ben, je suis contente, voilà. Donc, vous avez tous mes shorts classés par couleur. Ça me fait penser à l'été, ça me met de bonne humeur. Et d'ailleurs, vous voyez qu'à côté, juste à côté, on a fait... Donc, en fait, ces barres, donc, pour vous les expliquer, ce sont des barres que j'ai achetées chez Ikea. 4,99€ l'unité, je crois, donc vraiment pas cher. Donc du coup, vraiment j'avais vu ça comme ça, je cherchais une idée pour pouvoir prendre mes habits sur tout le mur et honnêtement quand j'ai vu ces barres je me suis dit ah ben c'est cool. Après ça dépend aussi, là les murs sont très solides parce que c'est du béton donc du coup ça va, je peux... Elles sont bien fixées et je peux accrocher quand même pas mal de poids, ça va. Mais après selon les murs que vous avez, il faut quand même faire attention au poids parce que bon, elles peuvent pas non plus porter des choses trop lourdes. Donc juste à côté, on a mis les mêmes barres, mais on en a mis 3 cette fois-ci. Donc tout en bas, j'ai accroché tout ce qui est foulard, etc. Enfin tout ce qui est écharpe. Donc bon, pour l'instant c'est comme ça, mais après il y aura des jupes dès que j'aurai d'autres cintres. Mais voilà, les cintres pour les écharpes, là, je les avais eues chez Camailleux quand j'y travaillais. C'était des cintres qu'on allait jeter, donc du coup je les avais récupérés. Ensuite là, j'ai des jupes. Comme vous voyez, toujours classé par couleur. Et en haut, donc, juste à côté des shorts en jean, j'ai mis mes crop tops. Donc, donc, tout à gauche, vous avez tout ce qui est brassière avec des coques, etc. Mais vraiment sans manches. Tout ce qui est plutôt brassière courte. Et par la suite, des crop tops t-shirt, tout simplement. Je suis tellement contente d'avoir mes shorts et mes crop tops juste à côté. C'est vraiment les vêtements que je préfère, je crois. Donc du coup, même si je n'habite pas à Los Angeles et qu'il ne fait pas toujours chaud ici, je sais pas, ça me fait rêver de les avoir là. Après, on a chacun nos habitudes bizarres. Et ensuite, donc là, on en a mis 2 autres de barres. Voilà, comme vous voyez. Tac et tac. Et alors là, j'ai mis tout ce qui est chemise en haut. Chemise à manches longues, chemisier, etc. En haut. Et en bas, j'ai mis tout ce qui est chemisier à manches courtes. Ensuite, des gilets à manches courtes. Et tout derrière, des jupes. Mais des jupes qui sont quand même assez longues, comme vous voyez. Donc, ce sont quand même des jupes qui doivent certainement arriver en bas, en dessous des genoux. Donc, du coup, elles ne rentraient pas à côté. Donc, du coup, je les ai mis là pour l'instant. Après, bon, ça peut changer. Hein. Mais voilà. Donc toujours classé à peu près par couleur. Et ensuite, comme vous voyez, en 2 étagères, donc qui viennent de chez Ikea également. Donc là, j'ai des chaussures. Là, j'ai mis encore des chaussures. Ensuite, à côté, des chaussures en haut de l'armoire. Donc des chaussures pareilles, New Look, Zara, Camailleux, Primark, etc. C'est une armoire, une ancienne armoire de Rémi qu'il avait achetée chez Ikea. Et en fait, il a juste enlevé les portes. Et du coup, là, il n'y a plus de portes. Mais à la base, il y avait des portes. C'est vraiment une armoire. Et du coup, on l'a laissé comme ça maintenant. Et ça fait vraiment joli, je trouve. Et puis, c'est sympa. Donc, c'était une ancienne armoire à Rémi. Donc, dans les premiers box carrés, là, comme vous voyez, j'ai mis tout ce qui est... chaussures, j'ai mis plein de chaussures classées par couleur encore une fois. J'ai mis mes présentoirs à bijoux avec mes bijoux. En haut j'ai mis mes pochettes et mes clutches et à côté mes maillots de bain. Hein, on sait jamais. Hein. Je les ai mis là parce que je sais pas, j'aime bien les voir également. Hein, c'est bon pour le moral à ce qui paraît. Donc du coup, et voilà, et à côté pardon, j'ai mis mes blazers et en bas mes pantalons et encore en bas des chaussures et une caisse avec des ceintures. Donc voilà, le premier box comme vous voyez. Ce sont mes maillots de bain. Et puis je les ai rangés, les hauts avec les hauts, les bas avec les bas et derrière les pareos, etc. Ensuite juste à côté j'ai mis mes pochettes classées par couleur. Et juste devant mes clutches. Mes clutches de chez Romwe, AliExpress, IBUS.
Donc j'aime beaucoup, j'adore les pochettes et les clutches, c'est vraiment une passion, j'adore. Ensuite, on descend un petit peu et on va voir un petit peu mes petits bijoux. Donc tous les présentoirs à bijoux, là vous voyez j'ai des bras avec des mains, j'ai des bustes, enfin des petits bustes pour les colliers. Et tout ça, je l'ai, et j'ai aussi, tac, je vais vous montrer. J'ai aussi, voilà, un rangement pour boucles d'oreilles. Et tout ça, je l'ai acheté sur Présentoir pour bijoux. Le site qui s'appelle comme ça en fait. Donc du coup je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos le lien. Mais c'est là que j'ai acheté tout ça. Donc vous voyez, vous avez, j'ai plusieurs bustes. Donc là j'en ai un petit. Mais derrière j'en ai deux autres, voilà. Alors j'ai un petit peu empilé les colliers, mais vous voyez j'en ai tellement. Là j'ai empilé sur le bras des bracelets, manchettes, des bagues, des de tout simplement. J'ai donc deux bras comme ça. Derrière j'ai une petite barre pour empiler des bracelets, vous voyez. Et puis mon petit buste, voilà, où il y a mon collier tant adoré de chez Azos, que je mets tout le temps en ce moment, hein, vous aurez remarqué. Ensuite à côté j'ai un présentoir pour bagues. Donc où j'ai pu accrocher toutes mes bagues. Donc ce présentoir pareil, il vient du même site. Au fond vous en avez avec, donc il a trois rangements, comme vous voyez, trois étages. Et là-bas j'ai aussi un rangement pour bracelets, tout en longueur celui-ci par contre, où j'ai mis des bracelets manchettes, des bracelets élastiques, etc. Et tout là j'ai mis un petit peu toutes sortes de bracelets. J'aime beaucoup ce rangement, ça fait très magasin mais ça fait très beau, j'adore. Ensuite j'ai un petit rangement comme ça, tout en bague, voilà, comme vous voyez. Et une petite valisette qui se ferme également pour ranger des bagues, un peu comme on trouve dans les magasins en fait au final. Donc voilà pour mes rangements bijoux. Ensuite là vous avez encore une fois des chaussures, donc ici ce sont plutôt mes chaussures nude. Donc voilà, mes chaussures de chez Forever 21, Azos, New Look. Là-bas j'ai encore des chaussures dorées qui viennent de, je sais plus, je les avais achetées à Marseille je crois. Là mes chaussures de chez Azos. Donc là plutôt ce qui est nude. Après à côté on a plutôt ce qui est noir, argent, enfin voilà. Donc c'est les chaussures de chez Steve Madden, mes chaussures Forever 21, là ce sont des chaussures New Look, là ce sont des chaussures que j'avais achetées à Marseille dans une petite boutique, là ce sont encore une fois des chaussures New Look, et là des chaussures, pareil, petite boutique à Marseille. Donc là c'est tout ce qui est noir plutôt. Ensuite quand on descend d'un étage, vous avez tout ce qui est plutôt vert, dans les tons vert, bleu. Donc chaussures de chez Azos, sur eBay, chaussures de chez Primark, de chez New Look, de Azos, de Marseille, une petite boutique, voilà. À côté, pareil, c'est encore tout ce qui est bleu, mais bleu marine, et vous avez aussi du mint. Donc ces chaussures de chez du site PLMDR, ces chaussures que j'avais trouvées chez Azos, marque Timeless. Ces chaussures avec le talon dégradé de chez New Look, pardon. Ensuite les chaussures imitation un peu Jeffrey Campbell Lita que j'avais trouvé sur eBay. Ensuite là j'ai des bottines. Là j'ai des bottines de chez Forever 21 et encore là-bas des chaussures compensées à paillettes de chez Azos. Voilà, donc là c'est tout ce qui est bleu, mint, etc. Dernier étage, tout ce qui est rose-rouge, donc là j'ai mes bottines de chez Zara, chaussures que j'avais trouvées à Marseille, pareil, chaussures tac, New Look, chaussures Azos, et ensuite encore à côté, on a tout ce qui est pareil, un petit peu dans les mêmes tons, dans les roses, orangés, corail, voilà, donc là les chaussures Gojan, chaussures Bershka, Azos, au fond c'est petite boutique à Marseille, là vous avez Zara et au fond c'est Primark. Ensuite la deuxième partie de l'armoire, donc il y a une petite penderie où j'ai placé tous mes blazers classés par couleur, hein, comme vous voyez, donc du blanc vers le noir là-bas. Donc vous voyez que moi je suis très colorée, donc je pense que ça ne vous étonne pas de voir qu'il y a autant de couleurs dans mon dressing. Ensuite en bas on avait un petit rangement pour pantalon, donc c'est génial parce que j'ai pu en mettre pas mal et également glacé par couleur, et au moins ils sont pendus, ils se froissent pas, c'est sympa, même si pas tous mes pantalons ne rentrent ici, j'en ai quand même rangé pas mal. Et en bas j'ai mis quelques chaussures plates, donc que ce soit des chaussures d'été, des petites baskets. Et là à côté j'ai également
une petite caisse pour ranger toutes mes ceintures que j'ai pas pu ranger ailleurs. Ceinture large en général, assez mode, que j'aime beaucoup. Et pour terminer, juste à côté de l'armoire, j'ai un rangement à chaussures, une colonne comme vous voyez avec plein de petits box. Donc voilà, ça c'est le dernier rangement et ensuite on revient à la porte ici. Et voilà, pour cette vidéo c'est terminé, j'espère vraiment qu'elle aura été à la hauteur de vos espérances. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.